Ah, cette petite musique, qu'est-ce qu'elle en jaillit! Hello world, c'est Golden et bienvenue pour un nouveau let's play sur un jeu qui est quand même assez vieux, faut quand même se l'avouer, mais qui est toujours aussi bon. Je vais bien évidemment parler de Portal, premier du nom. Alors on va commencer directement la partie, je vous expliquerai en fonction de ça. Voilà, commencer une nouvelle partie, très bien. Alors Portal, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, vous devez certainement être très jeune pour ne pas connaître Portal, parce que Portal a quand même vécu de nombreuses heures de gameplay parmi certains youtubeurs vidéastes sur la plateforme de YouTube. Donc en fait on est un personnage qui est dans un laboratoire qui s'appelle Aperture Science, qui est une entreprise. Donc là du coup ça m'apprend à bouger. D'ailleurs vous voyez mes petites touches à droite de l'écran, hein. Et en gros en fait on a un gun qui s'appelle le Portal Gun. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Science. Nous espérons que votre détention dans le caisson de relaxation s'est bien passée. Votre échantillon a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. Avant de commencer, vous devez savoir que même si le divertissement et l'apprentissage sont au Vous cœur risquez de de subir des lésions l'activité du puissantes. centre, vous risquez de subir des lésions irréversibles. Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien. Voilà, il n'aime pas l'espagnol. Il ne parle pas Le espagnol. portail Il n'aime pas s'ouvrira l'espagnol. dans 3, 2, 2, 1. 1. Voilà. Donc là, vous voyez, donc là, en fait, on a notre personnage. Et à droite, on a un portail bleu. Donc, du coup, voilà, hein, tout simplement. Donc, comment ça fonctionne? En fait, on a un petit personnage comme ceci. Et en traversant le orange, on peut venir au bleu. Et inversement. Donc, c'est un jeu plateforme logique. Et j'aime particulièrement cette licence. Tiens, est-ce qu'on peut. Ah, si, on l'entend quand même. On l'entend, mais je l'entends, mais pas beaucoup en fait. Est-ce qu'on peut la mettre dans les toilettes? Non. Putain, la radio, elle est plus grosse que les toilettes, quoi. Allez, on va l'emmener un petit peu. D'ailleurs, vous voyez aussi que j'ai des trucs sur les chaussures. En fait, des chaussures bioniques qui me permettent en fait de ne pas me prendre de dégâts de chute. C'est quand même plutôt pratique. Alors, là, je me demande si ça fonctionne si je le mets là. Non, ça fonctionne pas, dommage. Donc, hop, donc en fait c'est que des salles en fait où il y a des énigmes, donc c'est pas très très compliqué Parfait. non plus. Donc là par Veuillez exemple vous voyez dans retourner une au salle centre typique en fait il d'appel faut pour éviter chaque qu'on test. ouvre la porte à chaque J'attire étape. l'attention Donc là c'est sur assez les champs simple, hein, il de suffit de prendre un bouton particules mais après on aura un impliquant portail gun, ce sera moins l'entropie. simple. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science vaporisera tout matériel non autorisé la Par exemple, traversant. le cube de stockage de Prenons comme l'élasticité de exemple l'Aperture le cube Science. de Ouais, donc des stockage fois je parle pas ST trop, c'est pour d'Aperture laisser Science. parler GLaDOS, qui est du coup un robot qui va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on est venu là, qu'est-ce qu'on va faire, et bien évidemment qu'est-ce qu'on doit faire dans les différentes salles mises à notre disposition. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près globalement le tour de la présentation du jeu Portal. Donc vous voyez, donc là on est sur la première salle sur 19, donc il y a 19 niveaux je pense en tout. Et là, par exemple, on a quelques petites affiches. Bon, là, par exemple, il n'y a rien d'affiché parce que on n'a pas le portal gun. Placez le cube de stockage Voilà, ST donc là, sur on le giga doit bouton placer. Donc là, d'extraction normalement, en fait, on va d'Aperture voir. Hein, Science je sais à pas si. Ah non, on le voit pas. supérieur de 15 000 Donc là, en gros, mégawatts. là, j'ai un portail bleu qui se déplace en fait à chaque fois, qui réinitialise du coup le portail orange. Et hop là. Voilà, c'est bon. Ici, je peux le poser. Nickel. Parfait. Et maintenant, j'ai plus qu'à Retournez attendre le rapidement TP. dans le sas Voilà, et donc du car coup le ça permet feu de d'une TP à chaque fois. exposition Donc là c'est plutôt prolongée au sympa parce que bouton vous dites ok n'aura bon pas l'air c'est quand même d'être plutôt de ce cool mais du coup le test. portal gun tu l'as quand? Donc en fait le portal gun on le débloque durant l'aventure au bout d'un moment, donc très très tôt, enfin dès le début du jeu on va l'avoir le portal gun. C'est vraiment une licence que j'aime beaucoup, hein. Franchement ça rentre facilement dans mes top 10 des licences, même s'il n'y a que malheureusement deux Nous jeux. apprécions votre J'espère un jour qu'il y en aura diligence. un troisième. Veuillez noter que les saignements Non, pas bucco-dentaires dans le n'entrent cadre de notre pas dans le protocole de test, cadre mais de pas avec notre l'écrit d'inspection de protocole la de réalité. test. Ah, donc là, faut Merci que j'attende de qu'elle parle. Donc, du coup, en fait, on a réveiller 10 schémas ici, mais l'émancipation pour matérielle l'instant, on les a pas d'Aperture encore Science. débloqués. En fait, c'est Aucun des affirmatif, c'est pour effets nous dire, secondaires bah ni voilà, il y a un petit diplômes problème. Enfin, ni faut faire attention à coronaries ça. Ah, on a un portal gun. n'apparaissent évident. On va pouvoir avoir un portal gun. Par contre, il me paraît être bleu, donc je pense qu'on ne pourra avoir que celui du bleu pour le moment. Le temps de comprendre le truc. Très bien, donc on va descendre. Ok, j'ai pu monter à temps là-dessus. Nickel. Ok, je peux arriver ici et donc normalement, voilà, j'ai mon portal gun. Vous Mon êtes portal gun désormais qui est en uniquement de possession couleur du bleue, donc c'est-à-dire que générateur de là où j'ai un portail portail d'Aperture orange, je peux Science. utiliser mon portail bleu. Celui-ci vous permet de créer Très des bien, et donc là portails. normalement je peux Ces sortir. portails Ok, bon. interdimensionnels sont sans Pour l'instant, danger, les énigmes sont quand même assez simples, hein. contrairement au générateur. Ce qui n'est Ne pas le touchez cas du pas le générateur. Ne faisceau touchez du pas le faisceau du générateur. générateur. Ne regardez pas Pas directement directement le le faisceau faisceau du du générateur. générateur. Très bien. Tenez le générateur à l'écart de tout liquide. Plus important encore, vous ne devez en aucun cas sortir. Merci.
D'accord. Je crois que je peux casser le. Ouais. Vers le sas. Attention à la marche. J'ai cassé un truc. Tiens, hop. Ça veut pas. Non. Alors normalement, si je fais ça. Ok, c'est pas du tout marché ce que je vais faire. Hop, donc là vous voyez que en fait tout tourne aussi, donc du coup comme je l'ai dit autour des portails, mais aussi de la gravité. Par exemple, si je pose un portail ici, je vais avoir forcément plus d'élan et donc du coup être plus propulsé en avant. Et par exemple du coup on peut faire des portails infinis, par exemple en mettant un au-dessus et un en dessous, et on va gagner en infinité de vitesse. Alors bah du coup juste à faire ça et comme ça, hop, voilà. Bien, le programme amener votre fille au bureau d'Aperture Science est le meilleur moyen de l'évaluer. Préparer votre fille au monde des matériaux, j'aime bien d'évaluer. D'accord. Donc apparemment mes parents m'ont envoyé là-bas. Oh, les enfoirés. Les enfoirés. Ok, salle suivante. Je suis prêt là. Alors. Salle numéro 4. Bienvenue dans la quatrième salle de test. Vous vous en sortez bien, très bien. Afin de garantir la bonne exécution des activités autorisées, veuillez ne pas détruire les appareils de test vitaux. C'est pas ma faute. Wow. Merde. Attends toi. Laisse-moi faire mon trip. Alors, il nous faut un cube. Très bien. Alors le cube, tu vas venir par ici. Ah, un peu bugué le cube. Attends, venir t'aider. Voilà. Pousse-toi. Hop. Hop. J'insiste. Très bon travail. Merci GLaDOS. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. D'accord GLaDOS. Vous serez livré. Très bien, pas de soucis. Bonne chance. Je vais te la compléter moi ta salle, tu vas voir, ça va être assez simple. Donc on va tourner aux alentours de 15 à 20 minutes l'épisode je pense, c'est plutôt sympa. Sachant que ce let's play ne sera pas très long parce que le jeu est quand même facilement faisable. Enfin, disons rapidement faisable. Facile est un autre terme. Alors, salle numéro 5. Ah, on peut se prendre un dégât. Très bien. Hop, j'aime bien casser les comment ça s'appelle ? Pour votre sécurité, veuillez ne les caméras, détruire les caméras. Oui, très bien. Alors. Ok, est-ce que. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça ouvre la porte. Ah, d'accord, je vois ce qu'il faut faire. Allez, hop. Alors, déjà, il y en a un ici. Ok, donc là, normalement, si je fais ça. Hop, je viens pile poil ici. Ok. Donc ça, hop, on pose ça là-bas. Forcément, ça a loupé. Viens là, toi. Ok. Et ici, on va en placer un. Ah oui, non. Alors, attendez, il faut que je fasse comme ça. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Comme ça, je peux récupérer mon petit cube. Et le poser ici. Très bien. Bon, j'ai compris à peu près ce qu'il fallait faire. Protocole de test. Vous faire croire que vous ne seriez pas surveillé dans cette salle était une information fabriquée de toutes pièces. D'accord. Beau travail. Conformément au protocole de test, nous cesserons. J'ai payé de cher en caméra, mon dans 3, 2. Très bien. Allez, salle suivante. Honnêtement, le début du jeu il est assez simple parce que là il n'y a qu'un seul truc à faire. Enfin, il n'y a qu'un seul portail à gérer, il y a juste le bleu. Quand on aura le orange avec le bleu, là on va commencer un petit peu plus à galérer. Alors, salle numéro 6. Là je peux me prendre des sacrés coups d'électrochocs dans la gueule. Les sphères ultra énergétiques des personnes à gauche de la salle peuvent provoquer des lésions irréversibles. Très bien. Alors. Ok. Nom du sujet. Vous devez faire la fierté de Ville du sujet. Ville du sujet. La voix un peu robotique. J'aime bien cette voix robotique. On dirait qu'en fait elle chante en même temps, mais en fait elle chante pas. C'est. Je sais pas, j'aime bien GLaDOS. Rien que dans la voix déjà, j'aime bien. Je me rappelle plus trop de la fin du jeu d'ailleurs. Il me semble. Enfin, je l'ai vu il y a longtemps parce que c'était un jeu qui a été fait par énormément de vidéastes à l'époque quand il était sorti. Mais je sais plus quel âge il a le jeu, mais en vrai il est vieux. Les équipements mobiles doivent être munis d'avertisseurs audibles. Cependant, les alarmes et les feux de détresse semblent perturbés. Bien, utilisez maintenant les chaque étage stationnaire. Okay. Non, là faut que je mette là, donc là je vais attendre. Alors si des fois je parle pas, c'est normal, je vous laisse parler avec GLaDOS parce que si vous entendez en même temps ma voix et en même temps GLaDOS, ça va être un petit peu relou pour vous. Hop. Bon, je vais le mettre au milieu, comme ça on va attendre bien qu'il vienne. Tiens, on voit ma petite tête, coucou. Hop, voilà. Donc maintenant il reste plus qu'à attendre le temps qu'on arrive. En plus il y a les locaux d'Aperture Science derrière. Fil du sujet.
Hop. Nickel. Allez. Muchachos, saltimante. Por favor. Aperture Laboratories. Donc c'est sympa aussi de changer un petit peu. Parce qu'en fait ce jeu là il se situe entre le jeu un petit peu couleur et le jeu un petit peu sombre. Donc c'est bien, ça fait entre deux, c'est plutôt cool. Alors. L'échec n'est pas sans conséquence. Si vous touchez le sol de la salle, la mention insatisfaisant sera portée sur votre rapport officiel. D'accord. Et sera suivie de votre mise à mort. Bonne chance. Votre mise à mort, bonne chance. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Non, en fait ce truc là faut que je le fasse venir ici là. Est-ce que ça va suffire le temps que ça passe là? Apparemment oui. Ok, donc on va passer là déjà. Après je suppose qu'il faut que je passe là et après ok. Donc faut que le truc y revienne, je vais avancer un peu plus sur la gauche. Histoire que la plateforme me fasse pas un coup et que je tombe là-dedans. Parce que je sais pas honnêtement ce qu'ils ont mis. Ça a pas l'air de ressembler à la lave, ça a pas l'air de ressembler à du poison. Mais j'ai pas envie de tomber dedans. C'est bon, je suis peut-être un petit peu bionique avec mes jambes. Mais je suis sûr que ça au moins j'y survécu pas. Enfin j'y survis pas. J'y survécu pas, oui ça se dit. Non non, ça se dit pas du tout. Mais bon. Alors, vite du sujet. Ça fait loco d'ailleurs. Hop. Bon pour l'instant le jeu est quand même assez simple. Toute situation dangereuse sert uniquement à améliorer le déroulement de votre test. De votre test. Ok, bon. Tranquillement, on avance. Hein. Alors là, on est rendu à la salle combien déjà hein. On est déjà pas trop mal à avancer. On est à la salle numéro 9. L'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre. Il est impossible à résoudre. D'accord. Alors. On a un portail, alors oui, alors j'ai pas expliqué ça. Ça en fait, c'est dès qu'on veut passer un item, en gros, ça le détruit. Donc par exemple, si je veux placer le bloc ici, hop, et que je le passe, il sera carrément détruit. Donc du coup, faut attendre qu'il repop. Merci, ville du sujet. Hop. Alors. Cette salle de test est hors service. Le centre d'enrichissement vous présente ses excuses. D'accord. Ah, il y a un trou là. Ah, ok, j'ai compris. Hop. Hop. Merveilleux. Voilà. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité malgré une situation des plus décourageantes. Ah d'accord, j'ai traversé la porte avant qu'elle soit ouverte. Très bien, ok. Non mais normal hein, chez Aperture Science on est tellement dans le... Ah, tu me diras en même temps chez Aperture Science ils sont capables de créer des guns avec des portails tridimensionnels. Donc en même temps traverser des portes ça paraît être logique. Même quand elles sont fermées. Du coup les portes n'ont plus vraiment d'utilité. Bah oui, du coup. Rebonjour. Alors. Tenons renouveler dans la maison, hein, c'est ce qu'on fait un bruit. Ce test exige une grande maîtrise. Ok. Donc là, on va tirer certainement la gravité. Voilà, donc là, il y en a un derrière. Donc là, wouh! Pouf! Extraordinaire. Vous avez compris l'influence des portails sur la dynamique. Exactement. Plus exactement leur non-influence. Hop là. Ok. Aha. YOLO! La ok, donc là il faut que j'en repose un ici. Entre les allez! Autrement dit, ce qui entre hop. Rapidement sort rapidement. Sort rapidement. Voilà, bleu. On va se vomir dessus à force. Vite du sujet. Let's go. Vite du sujet. Ils s'engagent à vous fournir de précieux conseils dans les environnements de test les plus dangereux. Exemple. Ah, on a un nouveau portal gun, nice. Tâchez de l'éviter. D'accord, très bien. Alors on va attendre qu'il tire. Ok, il a tiré là, très bien. Qu'est-ce que ça fait si j'appuie ici? Ça m'ouvre un portail, enfin un trou là-bas. Ah mince. Ah, c'est avec le temps, d'accord. Donc je vais attendre qu'il vienne déjà. Hop là, ok j'y suis. Alors, il y a un truc qui projette une boule de lumière. Alors on va essayer de la déclencher, on va bien voir ce que ça donne. Ça a appuyé dessus, cool. Ok, donc ça fait venir une petite passerelle. Ah, la passerelle qui va forcément venir me casser les pieds. Je ne peux pas directement... Non, la porte s'est fermée. Ok, là ça vient là, très bien. C'est la plateforme, elle sera déjà revenue.
Même pas, on aura attendu, super. Ok. Et viens là mon pépère, viens voir Golden. Il a ouvert un deuxième portail, très bien. Et je pense que là c'est bon, hop. Nickel. Cool. D'accord. La vie du sujet, très bien. Alors, comment on sort de là par contre? Ah, il y a un bouton ici, il sert à quoi? Ah ah. Ok. Faut que j'aille peut-être par là. Ouais, le portail bleu est toujours actif normalement, donc si je place le orange... Le bleu reste toujours actif. Oui, le bleu est toujours actif en fait. Parce que la porte est censée être fermée du coup. Oui, c'est cela. Hop, nickel. Bon, et bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour ce premier épisode sur Portal. J'espère que ça vous aura plu. C'est un jeu qui est quand même assez vieux, mais je trouve que le gameplay est toujours autant innovant, même en 2017, enfin en 2018 maintenant, hein, même beaucoup de temps après. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la venue de cette nouvelle série. Et je pense qu'on finira quand même assez vite la série, vu que le jeu est quand même assez court. Et d'ici là, rendez-vous au prochain épisode. Allez, tchuss!